Tu as une tête à avoir besoin d'un verre. Ouais, je veux bien, merci. Eddie Barzoun, Eddie Barzoun. Ah, je l'ai materné à travers deux divorces, une cure de désintoxication à la coke et une réceptionniste enceinte. Ah, une créature de Dieu, ah, la créature parfaite de Dieu. Ah, et je l'ai mis en garde pourtant. Je l'ai mis en garde à chacun des pas qu'il faisait, en le regardant rebondir dans tous les sens comme un jouet déglingué. 120 kilos d'égoïsme forcené, de cupidité sur pied. Le prochain millénaire est au coin de la rue, Kevin. Eddie Barzoun, regarde-le bien. Excusez-moi. Parce qu'il est la figure emblématique des 1000 prochaines années. Les gens comme lui, c'est pas par hasard qu'ils existent. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égaux de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de tocs, de plaqués, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur et devienne son propre dieu, et une fois qu'il en est là... Ouais, je sais, va te faire foutre. Pendant qu'on s'étripe pour un marché ou un autre, qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée. Même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. Allez, on ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Il y a des milliards d'Eddie Barzoun qui courent vers l'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses saloperies d'heurship de merde. Seulement un jour, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il faut payer. Tu es allé un peu trop loin pour quitter le jeu en cours de partie. Donne-moi ta montre. Quoi? Je l'aime, cette montre. Si tu crois qu'il suffit de me donner un ordre pour que... Ton ventre est trop plein, ta queue endolorie, tes yeux sont injectés de sang et tu ne peux plus qu'appeler à l'aide. Mauvaise nouvelle, Eddie. Il n'y a plus personne. Tu es tout seul, Eddie. Tu n'es plus que la petite créature parfaite de Dieu. C'est peut-être vrai ce qu'on dit. Peut-être que Dieu a lancé les dés une fois de trop. Peut-être même qui nous a tous abandonnés.